Hey les amis, c'est Letko, bien. Hey, ce Lévin, il me donne déjà très très chaud. D'ailleurs, en parlant de chaud, il y a la canicule très bientôt en France. Hydratez-vous, très important. On le répétera jamais assez. Aussi aux personnes âgées, prenez soin d'eux. Et voilà, bref. J'ai failli m'étrangler. La carte, elle est sympathique. Elle est ouf. Stéphane Lévin à la recherche de la destruction. La carte elle est ouf. Apparemment c'est le nouveau LR. Parce que comme vous voyez, il y a le dessin un peu zoomé. Et comme il n'y a pas eu de portail pour l'avoir, donc il sera je pense dans le entre guillemets le portail un peu LR comme le Misaki, le Mizugi, le Naturezza et Lévin. C'est la carte elle est belle. La carte elle est ouf ici. On a été teasé il y a quelques heures avant. Sur Twitter par Tsubasa IM, de toute façon si tu veux pas te faire spoiler tu regardes pas. Tu regardes pas ou sinon tu follow pas. Par contre vous voyez les stats, c'est un peu bizarre. Hein. Bon, en endurance, il est parfait. 1111, 1011, pardon. Voilà. 16 206 en attaque, donc 5 492 en dribble, 5 005 en tir et 5 002 en passe. Donc c'est très hybride, donc c'est bien réparti, mais c'est super faible. 16 002, il y a un problème. Donc voilà, défense 13 885, 5 002 en tacle, 3 002 en compte, on s'en fout, et 5 003 en interception, et 17 000 en physique, 5 003 en rapidité, 6 003 en puissance et 5 002 en technicité, balle haut et balle basse, normal, milieu offensif, donc pas de double poste. Il donne à tous les Européens vers 17%, donc un peu comme Santana World Cup, sauf que là c'est pour les Verts et pour les Européens. Et il a son compétence passive, plus il y a d'Européens qui jouent dans le match et plus. Ses stats augmentent jusqu'à 50% de plus. C'est pour ça que ces stats sont pas folles. Mais si vous faites les calculs, ça peut devenir oufissime. Donc il faut. Même pas. Attendez, attendez. Les Européens World Youth. Donc Mondial Espoir. Il faut voir quels joueurs sont World Youth maintenant. Parce que je sais qu'il y a de nouveaux qui ont été World Youth. Qui ont changé de méta. En plus, c'est des Européens, donc il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup d'Européens dans World Youth, dans l'arc, à part les Italiens que le Japon croise, et la Suède, et la Hollande. Et la Hollande. Bon, le match de la Hollande, on ne l'a pas trop montré dans World Youth, voire quasiment pas. Donc, voilà, il va falloir faire une conjugaison de. Ils disent pas combien de joueurs, apparemment, je sais pas, ils disent pas de joueurs. S'il faut les 11 joueurs, s'il en faut 5, 4, 3. Donc, le mieux c'est de faire vraiment une équipe World Youth, le plus World Youth possible. En européen, par contre, tu vois, il n'y a pas d'européen global, japonais et tout. Malheureusement, il faut vraiment cibler l'européen et World Youth. Donc, pas de World Cup ou de je sais pas quoi. Un petit peu n'importe quoi. Mais par contre, le passif il est dingue parce que ça. Là, il peut devenir extrêmement intéressant. Là, 50%, comme on l'a vu, alors on dit 5 500, donc tu rajoutes. On est à 8 000, à peu près. 8 000, il monte jusqu'à 8 000 avec le passif. Et plus les boosts, bon, sans parler des boosts, etc. etc. Voilà, par exemple, là, on va dire le tir, par exemple, si tu divises par 2, donc ça te fait. 2 500, tu rajoutes 300, ça nous fait 2 008. 2 008 pour ça nous fait du 8 300. Donc son tir peut monter jusqu'à 8 300 s'il a toutes les conditions requises pour le passif. Désolé s'il y a le petit bruit dehors, parce que là il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes. Il a le Lévin Rush, donc le nouveau tir qui monte à 475, 480 qui vous coûtera. Le Lévin Turn, donc le nouveau dribble de Lévin 265 et la passe à la Lévin A80. Je crois que vous pouvez lui mettre un petit tag des familles. Ouais, il faut lui mettre un tag et une interception. Je crois qu'il y a l'interception B60 et
s'il a un tacle, je sais pas s'il a un tacle farmable. Voilà pour le Levin. Ouais, donc voilà, il va falloir vraiment jouer avec une Europe World Youth, hein. Franchement, si vous voulez qu'il soit viable, mais c'est n'importe quoi. C'est clairement n'importe quoi. Nouveau portail aujourd'hui. Oui, je montre mon Akai que j'ai eu avec les tickets R+. Je me la pète, j'ai le droit. Le nouveau portail où ils englobent tout. Je sais pas s'ils sont séparés. Voilà. Donc il y a le portail 97 et le portail 2018. Donc pour ceux qui ont raté le Shingo potentiel, c'est maintenant les gars. C'est maintenant ou jamais d'avoir le Shingo. Voire peut-être. Bon, le Tsubasa est sympa. Moi, j'aime bien. J'ai beaucoup de Tsubasa. Déjà, je kiffe la carte. Je kiffe le Wing Shoot. Magnifique. Le Yuga est très bon. Franchement, il est très très bon. Donc voilà. Et le Waka. Le Waka qui fait toujours le café. Hein. Le Waka qui fait toujours le café. Le portrait de la honte. Voilà. Faut dire les choses telles qu'il est. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Portail de la honte. Voilà. Donc, et ça garantit. Nanana. Ah, le ticket anniversaire. On va le craquer. Hop. Donc, je vous fais pas montrer tous les persos de. Ah, je pensais. J'ai eu un petit doute. J'ai eu un petit doute. Ok, ça va donner à manger à mon Chester bleu que j'ai eu récemment. Donc là, c'est un. Donc là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est écrit en gros. Tous les trois multis, vous avez la quatrième offerte. Par contre, pas de SSR garantie. C'est pas comme les paliers. Donc là, c'est. On va dire, si vous avez. Comme moi, regardez, j'ai 300 Dreamball, je peux faire 8 multi. Normalement, il y a du SSR. 8 multi, normalement, tu as du SSR. Attention, pas forcément des SSR de la bannière. Ça peut être des SSR random, des anciens SSR. Je sais pas d'ailleurs. On va voir si elle est LR ou pas. Si elle est nouveau LR, on va voir si elle est nouveau LR Levin. Hop. Taux de probabilité. Hop sur la multi voilà mais voilà quoi c'est n'importe quoi là c'est on s'attendait à un portail avec Levin et tout voilà pourquoi ils nous ont mis le ballon noir Levin parce qu'il y a un Levin on va dire entre guillemets fest mais c'est pas vraiment fest quoi. Parce que y a déjà le fest et là c'est une carte un peu fest quoi. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que tu sais ce que je veux dire. J'aimerais bien avoir le Ishizaki. Ouais. Mais dans les 2018, il y en a beaucoup que j'ai pas. J'en ai chopé que deux, c'est le Soda et le Ino. Le reste, j'ai rien. J'ai rien du tout parce que j'ai pas pu pull l'année dernière. Alors, on va voir les armées devraient être tout en bas. Vu les taux de proba, c'est 0,17. Ah, attends, je crois que j'ai vu le nature. Est... Voilà, ils sont là. 0,003. Il est là, le Levin. Avec le Naturezza, le Misaki et le Mizuki. Voilà, les trois LR. Voilà, il est ouf. Il est ouf si vous avez une équipe Europe World Youth. Je le répète. Si vous avez les conditions requises, le Levin, il est extrêmement fort. Mais il faut vraiment faire une équipe autour de lui en fait. C'est ça. En fait, il vous exige. Ah, j'arrive même pas à parler. d'avoir une équipe autour de lui pour qu'il soit extrêmement fort. Tout seul comme ça, faut faire des tests. Mais voilà. Mais bref, voilà. Voilà la grosse actu de Tsubasa. La petite. Comment dire? Le petit. La petite surprise, voilà, excusez-moi, hein, la petite surprise. Voilà, moi c'est plus ce portail-là que j'ai besoin, enfin j'ai besoin, j'ai pas besoin, mais où j'ai le moins de probabilité d'avoir des doublons. Parce que j'ai aucun mec de la bannière, j'ai pas le Waka, j'ai pas le Tsubasa, j'ai pas le Misaki, j'ai pas le Yuga, j'ai pas le Wakabayashi rouge. Bon maintenant j'ai le nouveau Wakabayashi, mais voilà. Et comme je vous ai dit, ça ne vous garantit rien. Par contre, il reste que 3 jours. Il ne reste que 3 jours le nouveau portail. Je crois même celui-là, même celui-là, Donc à vous de voir. À vous de voir. Mais je serai à votre place. Si vous avez eu de la chance comme moi sur les tickets R+, etc.
attendez les prochains step-up, ça va arriver et il va falloir vraiment être patient et faire les bons choix. Mais après, c'est vrai que si vous n'avez pas le Shingo, là c'est le moment, les gars. Là c'est le moment de tout donner. De tout donner. D'ailleurs, on n'a même pas vu s'il y avait le Shingo. Si, si, normalement, Shingo, il y est. Normalement, ils y sont tous. Hein. Tous les... Je crois qu'il y a 16 joueurs. Les 16 joueurs sont dedans. Les 16 joueurs sont dedans. Donc, il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille. Mais en tout cas, pour revenir à la carte de Levin, elle est magnifique, la carte. La carte, elle est... Waouh! C'est... Ils ont le don de faire des cartes LR juste sublimes, club. Hein. Ça, c'est... Voilà. Palmarès de club, je te fais des super cartes de la main. Par contre, les stats, c'est de la merde. Voilà. Le Shingo, 0,139%. Donc, il y a l'Unita, je crois qu'il y a un Unita qu'il faut éviter, l'Unita League. Voilà, on va éviter l'Unita League. Le reste, c'est fort, hein. Attention. Hein. Voilà, je crois que c'est... Je sais pas si c'est lui ou c'est l'autre, je sais plus, il y en a un qui est lui. Bon, par contre, le reste, on s'en fiche un petit peu. Le Hino, je l'ai, comme je vous ai dit. Le Tsubasa, franchement, je kiffe la carte, j'aimerais bien l'avoir, le Tsubasa. Le Wakashimazu, qui est, ça y est, qui est terminé, de toute façon, si t'as le Fest, t'as pas besoin. Peut-être pour le Capt, histoire de... Mais vraiment, c'est vraiment histoire de, quoi. Le Mizugi est sympa, mais maintenant, le nouveau Mizugi potentiel, il a tué le game des Mizugi. Le Shingo, il a tué le game des Shingo, tout simplement. Donc, malheureusement, le joueur que tu dois viser là-dedans, c'est Shingo si tu l'as pas. Hein. Si t'as pas le Shingo, là, clairement, c'est lui qu'il faut avoir. Hein. Voilà. Shingir. Moi, je l'appelle Shingir, moi. Shingir. Voilà. Voilà, les amis. Bon, on va pas perdre longtemps. On va pas. Attends. Pas longtemps. On va pas tergiverser trop longtemps, on va voir s'il n'y a pas des news cachées, on sait jamais, hein. Dream Fest, c'est pas, on va voir. On va voir s'il n'y a pas un truc caché. Alors oui, on a gagné, je sais plus combien, 28 300 pièces d'or. On va cliquer, parce que des fois ils cachent le Dream Fest. Une fois ils l'ont caché ouais, dans le mini Dream Fest. Ils ont caché dans le mini Dream Fest, c'est là où on a vu le Espadas annoncé. Quand le mini Dream Fest a été annoncé. Mais je crois que non, non, il n'y a pas. Ok, bon, bah voilà les amis, c'était une petite vidéo rapidos. J'espère que ça vous aura quand même plu. Voilà, pour résumer une dernière fois sur le Levin LR, si vous avez une équipe européenne World Youth, il est dingue. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour vos poules. Mettez-moi en commentaire si vous avez réussi à voir le Levin LR et si c'est possible qu'on puisse voir ses spé en, ben, en in-game, quoi, pour qu'on puisse voir le Levin Rush, son nouveau dribble aussi, ce serait très sympa. Et moi je vous laisse et je vous dis à très 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 bientôt. C'était Letko, ciao.